face à ce qui peut paraître comme une injustice pour les agents et cadres de l'OGFREM. Ils ont préféré recourir à une intervention divine. Le DG de l'OGFREM, Patience Saïba, peut compter sur le soutien de ses agents qui se sont réunis en prière au lendemain de son arrestation au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'instruction du directeur général de l'OGFREM s'est terminée mercredi dans la soirée. Et ce jeudi matin, c'était la poursuite de l'audition de son directeur financier, arrêté au lendemain de celle de Patience Saïba. Une dure épreuve pour ce dernier qui est jusqu'ici détenu provisoirement au cachot du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le patron de cette entreprise publique continue à acclamer son innocence. Une innocence en laquelle croient certains agents et cadres qui ont à cet effet protesté devant les installations de l'entreprise. Je ne sais pas travailler parce que nous sommes en deuil. Pourquoi en deuil? Parce que on a arrêté notre DG Patience Saïba. Et ce DG a marqué l'histoire de l'OGFREM par son style de travail. Il est d'une certaine technicité sans précédent. Il a élevé l'entreprise d'une manière exceptionnelle. Ils étaient en sitting devant la direction générale. Pour les manifestants, leur directeur général n'est qu'une victime face à ce qui leur paraît être une injustice. Curieusement, pour des dossiers que la justice sait, il a été interpellé et directement mappé. Alors nous nous demandons pourquoi. À la protestation, ils ont joint un moment de prière pour implorer la grâce divine. Nous nous sommes dit que nous devons soumettre ce problème, ce dossier entre les mains du Seigneur. Et rassemblés, unis comme un seul homme, nous avons invoqué le nom du Seigneur pour que ce Dieu Tout-Puissant agisse dans sa divinité, dans ses dossiers. Classé sans suite pour insuffisance des preuves et inexistence des faits pénaux, ses avocats s'étonnent de la réouverture du dossier. Pour rappel, Patience Saïba est auditionné sur deux faits. D'abord, c'est lui concernant le contrat du port sec de Kasumbalesa, et le second, c'est lui portant sur des malversations financières en rapport avec le mandat spécial de la fiche électronique des renseignements à l'importation Ferry.